Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On fait ensemble maintenant des exercices pour les abdominaux et pour les fessiers. On fait un combo abdos-fessiers. C'est très populaire ça. Vous allez aimer ça. On fait le classique pont qui est un des meilleurs exercices. Mais j'aimerais ça que vous le fassiez sur les talons. Alors le pont, vous le connaissez probablement, c'est cet exercice où on pousse les hanches vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez bien le côté, tiens. Pousse les hanches vers le haut et reviens au sol. Pousse, hop, et reviens au sol. Donc, je vous montre que j'aimerais avoir les orteils vers le haut, les bras très détendus près du corps pour travailler votre équilibre. Et mieux encore, en flèche au-dessus de la poitrine et on part. Hop, et en bas, pousse les hanches. Hop, et en bas, pousse. Hop. Est-ce que vous respirez dans tout ça? Important. Encore, on y va. Pousse. Oh, pousse vraiment, l'accent est en haut. Si j'ai besoin de détendre mes ischio-jambiers, je peux déposer les orteils, mais beaucoup plus efficace sur les talons. Et encore deux. Un. Et un deuxième. Maintenant, on va rester trois temps en haut. C'est un, c'est deux. Pousse 3, reviens jusqu'en bas. On va faire ça 4 fois. Pousse 1, pousse 2, pousse 3 et reviens. Allez, allez, allez. Pousse 1, pousse 2. Si mes bras sont fatigués, je les laisse tomber de côté et je continue. Pousse 1, 2. Tiens, 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 tiens. Et voilà. Vous devriez sentir ça derrière les cuisses. Relâche complètement. On s'en va maintenant tout de suite. Main à la nuque. Ouvre les coudes. Donc, je ne suis pas ici, j'ai les coudes ouverts et je vais tirer, descend, tirer, descend. Si vous êtes très habitué à travailler vos abdos, si vous êtes habitué, vous pouvez faire ce mouvement avec les jambes surélevées. Choisissez la version qui vous convient et respirez bien. Donc, la première version, je vous ai monté un pied, reste au sol, l'autre s'en vient, l'autre genou s'en vient vers mon coude opposé. Chut, expire, reviens, expire. Je trouve ça difficile. Je peux faire juste les jambes pour commencer. Je peux faire hop, revenir, déposer ma tête. Hop, revenir. Hop, revenir. Est-ce qu'il vous en reste, disons, 8, reviens, 7, allez, 6, allez, 5, 4, 3, allez, allez, 2, un dernier, 1, et relâche, relâche les bras de chaque côté, respire un petit peu, et je vous propose, s'il vous reste un petit peu d'énergie, je vous propose d'allonger les jambes, hop, hop, position 1, position 2, les genoux sont fléchis, et vous choisissez celle qui vous convient. Alors, si j'ai les jambes allongées, je vais descendre juste un petit peu une jambe en serrant mes abdos, juste un peu. Va voir jusqu'où et reviens. Et allonge, descend, descend, descend et reviens. Je pourrais faire la même chose, jambes fléchies et reviens. Descends et reviens. Vous pouvez en faire 4 autres. Descends et reviens. Engage bien les abdos. Ah! Allez, et reviens. Et reviens. Et reviens, un dernier. Et reviens. Et relâche. Laisse tomber les jambes de côté sans forcer, juste confortablement. Pensez à bien respirer. C'est du beau travail, tout le monde. Je vous fais travailler fort quand même. Mais c'est important pour moi que vous soyez capable de vous ajuster, qu'il y ait un effort, mais quand même confortable. Vous pouvez prendre quelques moments pour vous détendre et je vous dis bravo. On se revoit bientôt. Bye bye.